attendez. Salut à tous, c'est Automatique YouTuber. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série Air Info. On commence tout de suite. Les avions qui relient Perpignan à Paris obligés de faire un gros détour à cause de l'armée. Mardi 21 février 2023, donc la semaine dernière, les deux avions qui reliaient Perpignan à Paris ont dû réaliser un détour par la Méditerranée. Une perte de temps liée à une, à une grande manœuvre militaire. Les passagers de la navette Transavia entre Perpignan et Paris-Orly ont peut-être été surpris. Dans l'après-midi du, du mardi 21 février 2023, leur avion a dû faire un détour pour rejoindre la capitale. Détour volontaire au-dessus de la Méditerranée. Comme le montre cette capture d'écran du site spécialisé Flettrada 24, L'appareil, un Boeing 737, a effectué un angle presque droit au-dessus de la mer Méditerranée avant de reprendre la direction du nord au niveau du delta de Camargue. Ce mardi 21 février, un second avion, un Bicraft 1900D, de, qui devait rejoindre l'aéroport de Bourget, a réalisé la même manœuvre que la navette de Transavia. Pourquoi un tel itinéraire Habituellement, les avions qui relient Perpignan à la capitale s'évitent ce détour méditerranéen. Le trajet en ligne droite au-dessus de la terre ferme est privilégié et cela peut sembler logique. Mais alors pourquoi avoir décidé d'un tel itinéraire ce mardi 21 janvier La réponse, c'est le ministère des armées qui la livre. L'espace aérien occupé par l'armée. Depuis ce mardi, la, les armées de terre, de l'air et de la marine nationale préparent Orion 23 le plus grand exercice militaire mené en France depuis une trentaine d'années. À partir du dimanche 26 février 2023, plusieurs phases d'exercice mobiliseront jusqu'à 12 000 militaires sur près de 20 départements. Une opération d'envergure sur terre, en mer et dans l'espace aérien qui devrait durer jusqu'au 11 mars. Le département des Pyrénées-Orientales ne sera pas l'un des théâtres de ces manœuvres mais les exercices réalisés au-dessus des départements de l'Aude, de l'Hérault ou même du Tarn peuvent avoir des conséquences. En effet, si les avions partis de Perpignan ont dû passer par la Méditerranée, c'est à cause d'une opération menée par les, dans les airs en lien avec Orion. Les pilotes doivent contourner les opérations. Ce mardi, donc mardi dernier, mardi 21 février, entre 14h30 et 17h, un, A300, un imposant A330 MRTT Phoenix de l'armée de l'air a survolé plusieurs villes d'Occitanie dans le cadre de cet exercice de grande ampleur. Ce vol en lien avec l'exercice Orion qui débute dans quelques jours. Ce vol, non. Ce vol était en lien avec, avec l'exercice Orion qui débute dans quelques jours. Il y a des opérations militaires qui sont en cours en ce moment, confirme le ministère des Armées à Actu.fr. Le ciel Étant occupés par ces manœuvres militaires, les pilotes qui ont découlé de la Liabanière ont été contraints au contournement via la Méditerranée. Faut-il s'attendre à des détours quotidiens jusqu'au 11 mars, date de la fin de l'exercice Orion Contacté par Actu Perpignan, l'aéroport catalan n'était pas en mesure de répondre à notre question. Donc, vous avez vu cette semaine en Occitanie, vous avez vu dans les deux prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de vols. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de retard, à mon avis. Hein. Jusqu'au 11, je pense que jusqu'au 11 mars, à mon avis, il va y avoir beaucoup de retard dans les avions à cause de cette opération. Je pense, à mon avis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de retard à cause de ça, parce que s'ils font des détours, forcément les vols sont plus longs. Aéroport d'Orly, la compagnie low cost Volotea ouvre une nouvelle destination. La compagnie aérienne Volotea proposera en mai 2023 une nouvelle destination en Italie depuis l'aéroport d'Orly. La compagnie aérienne Volotea propose une nouvelle destination. Dès mai 2023, il sera possible de relier Paris à Turin en Italie depuis l'aéroport d'Orly, qui se situe dans le Val-de-Marne, avec la compagnie Low Cost. Paris-Turin, la compagnie espagnole qui propose des vols à bas coût depuis 2012, proposera donc dès le mois de mai des vols Paris-Turin deux fois par semaine, une destination week-end dans la capitale du Piémont, puisque les vols sont proposés les lundis et vendredis au départ d'Orly. Les billets sont d'ores et déjà disponibles à la réservation et proposent des vols à partir de 30 euros. La compagnie, qui s'est spécialisée dans les vols européens, propose depuis l'aéroport Val-de-Marnay plusieurs destinations en Espagne, en Italie ou encore en Grèce. Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de cette nouvelle ligne au départ de Paris-Orly et de proposer de nouvelles, opérations, euh, de nouvelles options d'escapade vers l'Italie. C'est facilités, Céline Lacroix, responsable du développement international de Volotea. La compagnie low cost Air Arabia arrive à l'aéroport de Lille avec une nouvelle destination. Les nouvelles lignes se multiplient à l'aéroport de Lille. En 2023, la compagnie low cost Air Arabia va notamment s'installer avec une nouvelle destination proposée. Une nouvelle compagnie aérienne débarque à l'aéroport de Lille, qui se situe dans le nord. Air Arabia, leader dans le domaine du transport low cost au Maroc. Elle, propose une nouvelle, elle proposera une nouvelle destination. De nouveaux vols vers Oujda. Des vols vers Oujda au Maroc donc, seront proposés à partir du 21 juin 2023, tous les mercredis. Donc départ de Oujda à 6h, arrivée à Lille 9h55 et départ de Lille à 10h45, arrivée à Oujda à 12h40. Oujda est située à l'extrême nord-est du Maroc. À la limite de la région du Rif oriental. Sa proximité avec le port de Nador et avec Saïdia lui permet de jouer le rôle de carrefour important au sein de la région de l'Oriental, explique l'aéroport d'Ilois dans un communiqué. Notons également que la, situation que la station balnéaire de Saïdia est réputée pour ses plages de sable fin et ses hôtels de renommée mondiale. Il sera possible de réserver des, des vols directs. Vers Udda à partir du site airarabia.com ou en contactant le centre d'appel ou les agences de voyage agréées. En Allemagne, nouvelle grève dans les aéroports régionaux. Berlin. La majorité des vols des, dans les aéroports régionaux allemands de Düsseldorf et de Cologne ont été annulés lundi en raison d'une grève de 24 heures lancée par, les, par le syndicat Verdi ont indiqué les aéroports. À l'aéroport de Düsseldorf, Seuls 89 vols sur les 330 prévus auront lieu tandis que 29 ont été détournés vers d'autres aéroports et 7 ont été reprogrammés au lendemain. Sur les 136, passagers, sur les 136, vols, sur les 136 vols passagers quotidiens habituels prévus lundi à l'aéroport de Cologne-Bonne, seuls 2 ont pu être assurés comme prévu. Le syndicat allemand Verdi a déposé le préavis de grève vendredi alors que les négociations collectives sur les revalorisations sur les revalorisations salariales dans les services publics et le secteur de la sécurité aérienne, n'ont pas permis de se rapprocher d'un accord. Si les employeurs continuent à faire de l'obstruction et, et ne nous présentent pas de résultats, alors la réaction des employés ici est claire, a déclaré un porte-parole porte de Verdi à l'aéroport de Cologne. Les aéroports qui accueillent les aéroports... Accueillent les des compagnies aériennes telles que Lufthansa, Turkish Airlines et Agent Airlines étaient en grande partie vides car les passagers avaient été informés de la grève à temps pour changer leur plan. Le syndicat a bloqué le trafic aérien au début du mois avec des grèves d'une journée, journée dans sept grands aéroports, dont les plateformes de Francfort et Médic, affectant près de 300 000 passagers. Des villes dans le land de Rhénanie, de Nord-Ouest-Palais, Fali, Don Cologne, Le Vert, Cossen et Bonn ont également été touchés par des grèves du service public lundi. Verdi et l'Association de la fonction publique allemande réclament une augmentation de 10,5% de 10 du salaire des employés du secteur public au niveau fédéral, soit au moins 500 euros de plus par mois. Perturbation à l'aéroport d'Alexio. Ah mince, plus d'actualité, c'était euh, dimanche, mince. Bon bah tant pis. Bon, du coup, changeons d'actualité. Aéroport de Caen. Des vols vers Dublin en projet. La région Normandie réfléchit à une nouvelle liaison aérienne vers Dublin qui se situe en Irlande, depuis Caen ou de ville. Lors de la mission de la région Normandie en Irlande du 21 au 23 février 2023, Hervé Morin... A rencontré le ministre des Transports irlandais, Dublin, Caen Dublin, quand ou Dublin de Le président de la région Normandie a évoqué l'opportunité d'une liaison, d'une liaison, d'une liaison, liaison, liaison Dublin-Normandie. Ça ne veut, ça ne peut se faire que depuis Camp ou alors de Mais j'ai peu d'espoir, tempère-t-il. Il faut qu'une compagnie aérienne souhaite venir. Ryanair, on le sait, ne, fait que, ne le fait que s'ils sont subventionnés, il n'en est pas question. Il y a Erlingus avec. Il y a Erlingus et une troisième compagnie filiale d'Erlingus. On va les tester pour voir s'ils sont intéressés pour Dublin, de ville, pour Dublin Camp ou Dublin deville Toujours au rayon transport, l'idée d'un biais unique entre l'Irlande et la Normandie via Cherbourg en ferry, puis en train vers Paris a De nouveau été discuté après une première évocation en 2020 en juin 2022. Billet unique ferry train, objectif Coupe du monde de rugby. Il y a pas mal de blocages, constate Hervé Morin qui entend, pré, qui entend au printemps 2023 à réunir à Caen en présence du ministre irlandais des transports les compagnies ferroviaires françaises et irlandaises. Et les compagnies de ferry. Tout, trois problèmes sont à résoudre les logiciels des différents opérateurs, la réparation de l'effort financier, et il faut une connexion parfaite entre le port et la gare de Cherbourg. J'ai promis d'apporter une, une réponse à la demande irlandaise qui souhaite que le billet unique soit mis, en soit mis en place avant la Coupe du monde de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, puisque beaucoup de supporters irlandais sont attendus confie Hervé Morin. Et pour finir avec une dernière actualité, euh, direction la ville, l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. Cette nouveauté permet de gagner du temps. Cette nouveauté à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry change la vie des voyageurs grâce à un nouveau système de contrôle. Plus besoin de sortir appareil électronique et liquide. C'est toujours le passage un peu stressant avant de prendre l'avion. Dois-je dois déposer mon portable Que faire du parfum dans mon sac le contrôle de sécurité est toujours délicat à passer quand on n'a pas trop l'habitude des aéroports. A Lyon-Saint-Exupéry, le déploiement d'un système facilite la vie des voyageurs. Ne sortez rien, posez lieu de votre sac. Actu Lyon a pu le tester début février lors d'un vol EasyJet reliant Lyon à Rome. Ce nouveau système de contrôle à la sûreté est vraiment pratique. Plus besoin d'ouvrir sa valise et de sortir les appareils électroniques, liquides, etc. Ne sortez rien, juste votre sac, nous lance une agence de l'aéroport. Mettre les liquides dans une poche plastique pour anticiper les demandes de la sécurité n'est donc plus utile. Un gain de temps à l'aéroport de Lyon. Cette nouveauté a été testée sur deux lignes pendant six mois. Et c'est un succès pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Simplicité et fluidité du passage. Le maintien de l'exigence de sécurité. Twitch twitter aéroport et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, laisser des et surtout à abonner-vous, les amis. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que, avez... que vous avez passé une... un très bon visionnage en regardant ma vidéo. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Those are the ones that be lost on the way, cause the dreams bring back all the memories.